Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le débat fameux de YouTube. Combien gagne un YouTuber, par exemple comme Squeezie, PewDiePie ou celui que vous voulez. Donc c'est très simple, je vais répondre à cette question parce que moi je sais combien un YouTuber peut toucher sur sa chaîne. Mais attention, je tiens tout de suite à préciser pour ceux qui veulent savoir, c'est seulement avec les vues. On peut pas savoir ce qu'il va gagner exactement par mois. Vous ne saurez jamais combien un youtubeur gagne exactement par mois. Parce qu'avec tous les partenaires techniques, tout ce qu'il y a à côté, vous ne saurez jamais exactement combien il va gagner. Donc ce qu'on peut vraiment savoir, c'est par rapport aux vues par mois, combien il va gagner. Et ça, c'est approximatif. Un youtubeur gagne environ 1 € les 1000 vues. Donc vous pouvez remarquer que ça fait quand même beaucoup pour certains youtubeurs, mais que vous remarquez qu'il n'y a pas énormément de youtubeurs qui peuvent vivre de YouTube non plus. En France, il doit en avoir quand même une bonne dizaine, mais une dizaine sur je sais pas combien de youtubeurs. En France, je suis sûr qu'il y a tellement de chaînes que voilà, il n'y en a pas énormément qui peuvent vivre de YouTube. Donc, il faut arrêter ce petit débat de gagne trop, tout ça. C'est sûr que Squeezie, si vous regardez, il fait un peu plus de 50 millions de vues par mois. C'est un super youtubeur, il fait vraiment énormément de travail. Lui-même l'a dit. Pour une préparation de vidéo, il prend toute une journée, donc il sort presque une vidéo par jour, une journée de travail. Donc en fait, il va gagner 50 000, mais il va vraiment bosser sur la vidéo toute une journée, le temps d'aller sur YouTube et tout. C'est quand même, YouTube prend une grosse partie de sa vie, faut quand même pas l'oublier. Certes, il gagne vraiment quand même beaucoup, 50 000, ce n'est pas rien, mais voilà, il faut pas oublier qu'il fait quand même, avant d'arriver là, il a fait énormément de travail, il y a eu énormément de critiques, il a aussi plein de critiques de comme quoi il plagie PewDiePie ou quoi que ce soit. Mais bon, il faut aussi dire que PewDiePie, des fois, il fait des jeux les mêmes que Squeezie, mais il sort la vidéo après Squeezie. Là, il y a personne qui crie au plagiat. Voilà, c'est normal, ils ont le même style de jeu. Et parfois, c'est PewDiePie qui fait la vidéo sur un jeu après Squeezie, personne dit rien. Faut arrêter ce débat un petit peu nul du plagiat PewDiePie ou plagiat Squeezie. Donc c'est vrai que 1 € les 1000 vues, c'est vraiment pas mal. Par exemple, le Cyprien va gagner environ 25 000 par mois grâce à ça. Bah après, sans compter sa chaîne secondaire, partenaire, tout ce qu'il y a, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui font vraiment pas mal de travail. Il faut aussi arrêter de dire que les podcasteurs ne travaillent pas beaucoup, ils doivent travailler vraiment ils doivent travailler leurs vidéos vraiment sur plusieurs jours pour vraiment faire la vidéo la mieux possible. Et aussi, eux, ils y jouent vraiment pour les termes, pour pas se faire insulter de plagiat également, parce que là, ça peut se ressortir vraiment beaucoup plus. Ils font vraiment attention, encore plus qu'un youtubeur comme Squeezie. Donc c'est vrai que 1 € les 1000 vues, ça permet aussi voir que PewDiePie fait énormément de vues par mois. Je crois qu'il fait à peu près 80 millions de vues par semaine. Donc vous pouvez vous dire que il fait déjà 80 000 euros par semaine. Donc c'est carrément énorme. Franchement, c'est le youtubeur qui fait le plus de vues par mois en gaming. Et ça se comprend aussi, il a plus de 30 millions d'abonnés, donc c'est normal qu'il explose comme ça. On se demande où il va s'arrêter, parce que ce qui est hallucinant, c'est qu'à 30 millions d'abonnés, on se dit c'est fini, ça peut plus monter. Mais il monte de plus en plus d'abonnés par jour. C'est comme Squeezie à 2,7 millions, plus il avance au fur et à mesure qu'il évolue, il gagne de plus en plus d'abonnés par jour. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui le connaissent toujours pas, et qui, en fait, sa popularité augmente de plus en plus chaque jour. Et c'est ça qui est hallucinant pour un youtubeur comme celui-ci. Donc faut dire que les salaires de Squeezie ou PewDiePie seront toujours quand même très élevés, parce que c'est les futurs, eux vont vraiment monter très haut. PewDiePie, c'est sûr qu'il gagnera toujours un sacré nombre d'argent par mois, vu son nombre d'abonnés. Il y aura toujours des abonnés actifs. Squeezie qui commence à monter vraiment en grosse puissance. Il est dans le top 20 des youtubeurs gaming mondial. Je peux vous dire que ça, c'est pas rien non plus. Il tourne au même niveau que KSI ou des youtubeurs comme ça qui ont 8 millions aux États-Unis. Je peux vous dire que en nombre de vues par mois. Donc je peux vous dire que c'est vraiment énorme ce qu'il réalise. Il faut pas l'oublier. Donc voilà, donc c'est sûr que ça fait beaucoup quand on regarde 50 000 par mois, ça fait mieux qu'un salaire d'un ministre ou quoi que ce soit, mais bon, YouTube paye comme ça. Si vous regardez, avant de réunir le SMIC, il faut faire environ 1000, 1200 par mois,
Bah, tirer hein, c'est pas vraiment le SMIC, mais je veux dire, pour vraiment commencer à pouvoir un peu vivre de YouTube, c'est-à-dire 1 200 000 par mois en vue. Je sais pas si beaucoup de gens sont capables de faire ça vraiment quotidiennement. Par exemple, Monsieur le V12 réalise 2 500 000 de vues par mois. Donc, pour un YouTuber qui a plus d'1 000 000, c'est quand même, bah, c'est énorme, hein, 2 500 000 par mois, il faut pas critiquer ça, mais je veux dire, pour un youtubeur comme Monsieur V12, vous pouvez voir que pour arriver à ce nombre-là, il faut vraiment exploser, ou il faut s'appeler aussi Super Connard qui éclate en nombre de vues par mois, qui fait un peu plus de 6 millions de vues par mois actuellement. Donc vraiment très bien, c'est vraiment excellent pour lui ce qui lui arrive. Je pense que lui aussi ça va être le futur youtubeur gaming de France qui va vite exploser. Voilà, donc si vous voulez savoir combien votre youtubeur fétiche gagne, par exemple, ça peut être Fanta, ça peut être Siphano, Hypier, il y en a Frigel, il y en a vraiment plein, ça peut être aussi Super Connard ou Leto75, il y a vraiment plein de youtubeurs. Vous allez sur le site dans la description, Vistracker, vous regardez le nombre de vues qu'ils réalisent par mois, vous vous dites que c'est 1 € les 1 000 vues, ça va très vite à calculer, mais après vous vous dites que c'est pas son argent. Et c'est pas exactement ce qu'il va gagner, parce que avec les partenaires et tout, il peut gagner plus, ou comme ça se trouve qu'il va pas gagner exactement 1 € les 1 000 vues, mais un petit peu moins. Voilà, donc il va gagner environ dans les zones là ce mois-ci, parce qu'il faut pas dire, il faut aussi dire que les vues par mois ça varie beaucoup, donc ça se trouve que le mois d'après il peut gagner moins comme il peut gagner plus. Donc voilà, vous pouvez regarder ça, c'est vraiment pour ceux vraiment qui veulent voir combien ils gagnent, parce que ce débat ressort beaucoup. Mais s'il vous plaît, arrêtez de dire que les youtubeurs gagnent vraiment beaucoup, parce qu'il n'y en a pas énormément qui vont gagner plus de 10 000 € par mois, je peux vous le dire. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y aura des débats négatifs, mais c'est pas grave. Allez, ciao tout le monde! Je crois que j'ai 4 avions. Donc ça fait qu'on peut faire encore plusieurs kills. Donc là j'ai essayé d'attaquer cette unité au sol, bon, sans succès, et j'ai remarqué qu'il y a